Bonjour, je m'appelle Biane et je suis chanteuse et comédienne. Alors j'ai décidé d'appeler, de faire appel à Myriam pour mon coaching parce que j'en avais vraiment besoin, notamment dans mon métier. Ça fait longtemps que je cherchais à me connaître, à connaître mon identité visuelle, on va dire. Et j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui me coach. Et d'avoir trouver de vraies réponses. Alors quand j'ai fait appel à Myriam et quand l'expérience que j'ai eue avec elle était vraiment dingue, je ne m'attendais pas à ce que ça me retourne à ce point. Il y a vraiment un travail en profondeur qui est effectué et j'ai trouvé pas mal de réponses à mes questions. Et puis je me suis même retrouvée en fait dans mon identité et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce que j'ai décidé de faire depuis la consultation, ça a été donc la première chose de réviser toute ma garde-robe. quand je dis réviser, c'est vraiment même il y a plein de choses que je ne mets pas, plus. et puis de refaire ma garde-robe en fonction de ce qui a été, vu, de ce que j'ai découvert lors du coaching avec Myriam. Alors les premiers résultats que j'ai pu voir, ça a été mon regard déjà qui a changé par rapport à ce que je voyais dans le miroir. Et il y a aussi le regard des gens dans la rue. Déjà me rendre compte que je regardais un peu plus les gens dans la rue et de voir que les gens me regardaient plus aussi. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le coaching de Myriam, c'est tout le travail, je dirais, psychologique. Les tests qui sont effectués pour justement mieux connaître sa personnalité. J'ai été très surprise par le résultat des questionnaires et des exercices qu'elle m'a fait faire. C'est-à-dire que quand les exercices ont été faits, elle a sorti en fait des feuilles en fonction des réponses qu'elle a récoltées après mes questionnaires. Et ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est de me retrouver dans les descriptifs qu'elle avait, elle. Et il y avait des choses que je n'avais pas écrites du tout, hein, dans les exercices, dans les questions qui m'étaient posées. Mais la personnalité de savoir, tel style correspond à tel type de personne, vous allez avoir ça, vous allez être plutôt comme ça. Et en fait, je me suis totalement reconnue en fait dans ce qui était écrit. Ça m'a fait vraiment drôle jusqu'au petit porte-clés qui va se retrouver sur mon sac. Je l'ai lu en fait et ça m'a vraiment fait bizarre. Si je n'avais pas fait la consultation, je pense que je serais encore avec mes questions aujourd'hui, avec mon mal-être aussi. Parce qu'il faut le dire, hein, c'est pas toujours l'image pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de très facile. Donc je pense qu'aujourd'hui, ouais, j'aurais été encore en train de me battre avec moi-même, d'avoir encore mes incompréhensions. Et je serais encore avec mes questionnements. Alors si par hasard vous doutez ou vous hésitez, si vous pouvez, allez-y, faites appel à Myriam, parce que vraiment c'est pas juste pour faire de la pub, hein, c'est vraiment c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté, elle connaît très bien son métier et puis elle a une bienveillance dingue. Et qui fait que voilà, on se sent bien et que justement on sait que on va pouvoir avancer franchir des barrières et aller jusqu'au bout de ce qui est entrepris. Et en plus, elle, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire, c'est d'aider au maximum. Et moi, je sais que pour mon métier, pour même ma propre personne, je me sens vraiment tellement mieux aujourd'hui. Donc, si vous pouvez, allez-y, quoi. Foncez.